Bonjour à tous et bienvenue sur la Deus TV, on se retrouve pour ce troisième épisode sur Factorio. Alors comme vous avez pu le voir un petit peu sur le timelapse qui a introduit cette vidéo, j'ai fait pas mal de modifications. Donc en dernier, j'avais déplacé l'usine de bras jaune pour la fabrication des potions vertes. Le fait que ce soit trop excentré, ça ne me plaisait pas, donc je viens de déplacer ça, j'ai augmenté tout ce qui était four, j'ai fini la ligne de four de fer, je l'ai complété. J'ai ici également d'augmenter la production de minerais. Malheureusement, la plaque qui est ici, voilà, celle-ci est vraiment petite. Et ben là, elle est quasiment blindée en foreuse. Je pourrais en rajouter un petit peu ici. Mais c'est quasiment plein. Donc du coup, l'avantage, c'est que les radars ont commencé à détecter des plaques ici. Donc je vais pouvoir peut-être effectivement aller en chercher. Mais étant donné que c'est quand même très loin, j'aurais bien aimé faire un train. Voilà à peu près où j'en suis. Le problème étant que pour le train, je vais avoir besoin de pas mal d'acier. Si je ne m'abuse. Déjà pour les moteurs, il me faut de l'acier. Donc je me suis fait une toute petite fabrication d'acier là, mais c'était vraiment histoire d'en avoir quelques-uns pour commencer, juste pour pouvoir me faire un outil en acier qui est quand même beaucoup plus rapide, mais avec ça je vais pas aller bien loin. Donc pour avoir de l'acier il me faut du fer, et pour avoir du fer il me faut du minerai, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, même si là j'en ai quand même beaucoup du minerai de fer. Il va falloir que je pense à me faire vraiment une ligne exprès, une ligne de four exprès pour l'acier. Alors ça m'embête de la prendre ici sur ce qu'on appelle le main bus, c'est-à-dire la ligne principale. J'ai étendu la ligne là, comme vous l'avez vu. Alors on va attaquer le chemin de fer. Voilà, et pour les rails aussi il va me falloir de l'acier, donc ça va être un peu compliqué. J'ai étendu la ligne électrique assez loin pour mettre un radar, pour détecter également lorsqu'il y avait des choses intéressantes par là. Là par ici on a surtout de l'eau, donc vers le sud ce sera pas trop intéressant d'aller fouiller, enfin pas pour l'instant. Il faudrait que j'aille parte dans ce sens là pour fouiller un petit peu. Donc je me suis débloqué aussi donc pas mal de recherches. Donc j'ai maintenant les pylônes, les grands pylônes en acier. Donc on va tirer une ligne dans ce sens là on va essayer d'aller jusqu'au milieu des deux plaques de fer qui sont complètement à l'ouest. Je sais pas si je vais avoir assez de pylônes. Bon, ça devrait aller. On va mettre un radar. Ah, je suis tombé sur de la forêt, ça va pas m'arranger, c'est pas grave. Je suis à peu près au milieu. On va mettre un radar supplémentaire. Voir s'il y a des choses intéressantes par ici. Et là, donc, j'ai une plaque qui fait 335 000. C'est pas énorme. Là, 760 000. C'est pas énorme non plus. Mais ça pourrait bien dépanner. Ça pourrait bien dépanner. Par contre, elle a l'air d'être couverte de forêt. Oui, à moitié. Bon, non, ça va. Ça va, ça reste gérable. Par contre, je me vois pas tirer une ligne de tapis roulant jusque là. Ça me semble un peu loin. Ce serait vraiment plus intéressant de faire l'acier, d'où la recherche du chemin de fer. Donc, on va commencer par faire une ligne d'acier, une ligne de four, juste pour faire l'acier. Ça va faire. On va faire les recherches, toutes les recherches qui concernent le chemin de fer. Et une fois qu'on aura l'acier, eh bien on lancera la fabrication de moteurs et la fabrication automatisée de rails, et on essaiera de faire une ligne assez rapidement, une ligne d'acier, enfin de pardon, une ligne de chemin de fer qui amènera du minerai, puisque je ne souhaite amener que le minerai. Je ne vais pas refaire une ligne de four là-bas, je vais ramener le minerai et il sera fondu ici sur place. Est-ce qu'il me reste des pylônes? Oui. On va mettre un pylône là. Donc ça, on peut l'arrêter.
On peut les couper. Voilà. C'est déjà aussi un peu plus propre. Donc une ligne de four et du coup je vais être obligé de taper il aurait fallu faire quelque chose d'un peu temporaire, ça m'embête un peu, mais en même temps je peux juste rajouter une ligne de four et après je pourrais faire cuire absolument ce que je veux dedans. C'est pas un problème. Alors j'ai manqué de pierre. Et ma ressource, elle est là-bas en bas. Ah oui, ça je l'ai pas du tout exploité. Je vais en avoir besoin également pour les rails. Alors il va falloir que je pense peut-être. Ouais. Pierre, fer et acier. Donc, je peux peut-être faire ça de ce côté-là. Je suis peut-être pas obligé de ramener tout ça directement dans l'usine. Les wagons citernes, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. On va faire la signalisation. On pourra faire comme ça des vraies gares et des choses qui seront un peu plus définitives. On va faire la foreuse. On va faire du four. Je ne vais pas en faire trop. Et là, j'ai de la pierre, de la brique. Ça me servira toujours. Voilà. On va en remettre aussi. Voilà, on va le laisser comme ça pour le moment. On viendra faire des choses un peu plus définitives une prochaine fois. Allez, je m'attaque à la ligne de cuisson de l'acier. Enfin, dans un premier temps, qui servira à l'acier. Et puis après, effectivement, on pourra changer les composants qu'elle prend. On pourra en refaire une ligne de fer s'il y a besoin. Mais on va essayer de faire une ligne complète là pour le moment. Allez, à tout de suite. Wow.
Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très très moche. J'ai fait une demi-ligne d'acier, une demi-ligne de fer. Ce sera vraiment très temporaire, mais au moins j'ai une ligne qui me produit pas mal d'acier normalement. Donc je suis toujours en difficulté au niveau du minerai. Ça change pas, mais bon, voilà, j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Je sais que c'est moche, mais bon, ça changera à terme. Et là par contre j'étais en train de me dire que j'avais besoin de pierres pour la réalisation de tout ce qui était rail. Alors j'en ai ici. Donc je pense que je vais faire descendre un petit peu d'acier. Il me faut du fer, de l'acier. En même temps j'ai du fer ici. Je vais peut-être faire une mini usine en fait. Ce serait peut-être pas mal. Je vais faire juste une mini usine pour les rails. En récupérant du minerai de fer que je vais fondre en plaques, fondre quelques plaques en acier, et du coup on aura tous les composants pour faire ça. Je suis pas très très content de ce que j'ai fait, hein, très honnêtement. Ça me plaît pas des masses, mais bon. Moi j'ai l'impression d'avancer un petit peu, donc ce qu'on va faire, on va récupérer ces trois foreuses. Il va me falloir un petit peu de charbon. Ça va vraiment pas être très joli. Ça va pas être très joli du tout. Mais à moins d'amener la pierre d'ailleurs. Et là j'en ai. J'en ai vu là-bas, mais c'est très très loin. J'en ai beaucoup ici. Avec du fer là-bas, mais c'est pareil, c'est très très loin. Là ici non, on va faire comme ça. Ce sera de toute façon des rails, on aura besoin, oui, d'un bon nombre on va dire, mais c'est pas ce qui va consommer le plus normalement. Voilà, on va amener le charbon ici. Le fer ici, on va faire. Donc d'un côté, je vais avoir besoin que de fer. Et d'un autre côté, je vais avoir besoin d'acier. Je sais pas trop ce que ça va donner, très honnêtement. J'ai l'impression de faire un peu de la bricole. Je sais que je me suis débloqué les fours en acier aussi, ce serait peut-être une bonne idée d'en faire quelques-uns pour augmenter la vitesse de ces productions. Je sais pas du tout si au niveau minerai ça va tenir ou pas. Une sortie ici. Les fours en acier. Niveau électricité, je devrais être bon. On va vérifier quand même. Non. Ah ouais, mais je mène pas le char. Je mets du charbon. J'ai confondu un peu four en acier et four électrique. Donc j'ai vraiment besoin de charbon, mais du fer, de l'acier, et on va mettre un petit peu de foreuse pour la pierre.
Ça devrait suffire pour le moment. En même temps, on pourra mettre une ligne de four pour faire du... qu'est-ce que je voulais faire ? Du béton. Enfin, en tout cas de la pierre déjà dans un premier temps, des briques de pierre. Et il y en aura besoin pour le béton. On va peut-être faire quelques poteaux comme ceci. Un pylône. On va les connecter ici. Voilà. Voilà, on a de la pierre. On a de la pierre, on a du fer. Donc pour les rails, on va se faire déjà. Je mets déjà deux ici. Pour les rails, il faut de la pierre, des barres de fer. Où sont les rails là? De la pierre, de la barre de fer, de l'acier. Donc il faut que je transforme le fer en barre de fer. Voyons voir. Le fer ici, en barre de fer. Barre de fer. Ici les rails et on va mettre l'acier. Voilà. Et une sortie. Peut-être un grand poteau, ce serait pas mal. Voilà. Un coffre. Et voilà, une petite production de rails. Donc ça, ça va très très vite. J'espère que ça consomme un peu vite de l'acier par contre. Ça consomme l'acier très très vite. J'ai l'impression qu'un bras de sortie, c'est pas assez rapide. On va en mettre un deuxième. Voilà. Donc ça risque d'être effectivement un peu limite au niveau de toute la production de l'acier. En même temps, là... Voilà, le minerai n'arrive pas en fait. Le minerai n'arrive pas. Donc j'ai pas assez de foreuses qui amènent du minerai. On va en rajouter deux de plus et puis ça fera la blague. Ça permettra déjà de tirer une petite ligne de chemin de fer pour ramener vraiment du minerai. Après c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir les tapis rouges pour commencer à faire les premiers échangeurs, les premières gares d'entrée et de sortie. Je vais avoir besoin d'énormément de répartiteurs aussi dans un premier temps. J'avais fait avec des circuits logiques, je vous avais montré dans les vidéos tuto comment faire des gares avec des circuits logiques, mais j'avoue que ça me plaît moyen finalement. C'est vrai que c'est pratique, est-ce que je le refais ou pas? Je pourrais faire ça peut-être. Ça avance plutôt bien, ouais, effectivement c'est l'acier qui rame un peu. Et en fait j'ai trop de... j'ai presque trop de fer. Deux fours, ça suffira largement. Et du coup, voilà, on va commencer à alimenter les fours du fond.
Voilà, c'est un peu de la bricole, mais ça fonctionne. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. On n'aura pas beaucoup avancé, on aura pas mal bricolé. Je suis un peu désolé, c'est vrai que là, j'ai fait un peu à l'arrache. Mais pour le moment, je voyais pas trop comment faire autrement. Donc on n'avait pas les chemins de fer. Donc on va dire que c'est une solution temporaire et qu'on rectifiera ça très prochainement. En priorité, ce qu'on va faire aussi, maintenant qu'effectivement j'ai de l'acier, déjà ce que je peux me faire, c'est une petite usine de moteur. Moteur. J'ai besoin d'une vingtaine. Donc on peut y mettre de l'acier, de l'engrenage, du tuyau. Je vais les faire à la main. Il faut quoi? Deux tuyaux. On va faire une quarantaine de tuyaux pour pouvoir faire une vingtaine de moteurs. Comme ça au moins j'aurai mes 20 premiers moteurs et je pourrai faire. En tout cas, il faudrait deux locaux, une devant, une derrière, pour éviter d'avoir à faire une boucle. Donc on va faire ça. On va rajouter du tuyau. Et comme ça, j'aurai mes moteurs de près pour la première ligne de chemin de fer. Voilà, bah écoutez, comme j'ai dit, on va se laisser là pour ce petit épisode. En espérant que ça vous aura plu quand même. Récupérer ça, et on se dit à la prochaine pour donc notre première ligne de chemin de fer. Et surtout, on va attaquer très 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 rapidement, peut-être même avant la ligne de chemin de fer, je ne sais pas trop, mais une vraie ligne sérieuse de circuit vert et l'automatisation surtout de tout ce qui est tapis rapide, les convoyeurs rapides, les souterrains et les répartiteurs. Donc ça va demander un petit peu de boulot aussi. Et on fera ça, je pense, la prochaine fois. Allez, à ciao ciao!